Tiens, nous avons pour nous rencontrer avec la délégation FMIA qui est en fin de mission. Nous avons un directeur adjoint qui est là, et M. Christopher Walk. Et nous avons un représentant local là, nous avons un représentant PANO et d'Haïti, mais qui est dans la banque là, et FMI, assistant et des membres de la délégation. Moi, je crois que l'été est important pour que la rencontre ça qui fait avec le Parlement. Et je dis à qui cap permet nous garder ensemble des institutions renforcer rôle nous surtout rôle de contrôle là. Moi je crois que et FMI avec Haïti gagne mission justement pour aider pays à stabiliser de façon macroéconomique. Nous même nous avons mission de contrôle et mission n'est pas différent et c'est peut-être ça il faut nous rencontrer pour nous garder comment nous cap faire ensemble et surtout pour aborder les grands défis. Et question de déficit budgétaire, question de croissance, la question d'inflation. Le problème est en pile, même quoi que dans le dialogue, nous avons arrivé premièrement entre organismes et parlement, ouais, comment nous avons fait le contrôle là. Également, ouais, comment nous avons arrivé à une stabilité macroéconomique. Mais nous connaissons, arriver à la stabilité, ça, c'est commencer par la stabilité politique. Là. Et la stabilité politique, ça veut dire qu'il faut que l'institution fonctionne. Donc, nous croyons que la présence veut dire que yo appuyer parlement dans travail à fait yo appuyer l'état haïtien mais en même temps tout faut nous mettre ensemble pour aborder problème yo faut nous gain courage pour aborder et pour résoudre discussion chita autour de collaboration qui ka gain en parlement et FMI garder travail yo et garder grand défi dans pays à question de croissance comment pour nous reprendre yo question de inflation comment pour diminuer question de dévaluation de cobla question de stabilité macroéconomique en gros. Et nous autres disons ça, ils ont réservé la meilleure chose pour la fin, le Parlement. Hein? Donc, en fin de compte, il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà au courant et de visite là. Et hier, on connaît nous fin de travail à 3h du matin. Matin, on a une rencontre avec le président. Donc, j'apprécie le fait que malgré nous, on a eu nous. Mais je crois que ceci a été une très bonne visite. Nous allons continuer. Il y a des rencontres qu'a fait dans l'Assemblée parlementaire de Washington, que nous voyons le travail. Il y a une rencontre qu'a fait en septembre. Le Parlement pourra participer de façon à ce que nous jouons pleinement au niveau international et nous renforcer nous au niveau local. Surtout, ça a besoin pour que le pays ait une stabilité macroéconomique. Donc, c'est que nous arrivons dans le dernier article. Et nous avons essayé de travailler sur les matins avant pour le ministre. Comme M. Latortue a mentionné, nous sommes à la fin d'une mission très satisfaisante et nous avons déjà discuté avec le gouvernement le cadrage macroéconomique. Haïti est confronté à des défis très importants macroéconomiques et le gouvernement avec une nouvelle gouvernement, nous sommes dans une période de transition et nous sommes vraiment contents de noter que le gouvernement est engagé vraiment à s'adresser à ces problèmes. C'est la première fois pour cette mission de venir ici au Parlement et nous croyons qu'il est très important d'avoir un bon dialogue avec le Parlement et cette réunion a été vraiment une bonne expérience pour nous pour mieux comprendre les perspectives du Parlement. Merci. D'accord.
Ce matin, nous avons reçu à la Chambre des députés la visite d'une délégation de députés québécois. Il s'agit du député Saul Polo et le député Dave Turcotte. Alors, ils sont tous deux députés, mais un de l'opposition, l'autre qui supporte le gouvernement québécois-canadien. Voilà, le but de cette visite, c'était une visite d'échange. On a discuté sur le mode de fonctionnement de nos deux parlements. D'ailleurs, le Parlement haïtien et le Parlement et québécois, ce sont les deux assemblées qui sont beaucoup plus importantes dans le bloc des parlementaires de la francophonie, au niveau de l'Amérique. Et nous avons parlé aussi de la collaboration, nous avons parlé de la migration. Il y a toute une série d'échanges que nous avons fait avec nos deux collègues. Et ce qui en sort, c'est que nous avons décidé, avec les collègues de présidents de bloc et de commission au niveau de la Chambre des députés, d'organiser aussi une visite au Parlement québécois. Et c'est justement le but de cette visite. Justement, c'est presque le même fonctionnement, mais avec seule différence. Et le gouvernement en Haïti, c'est l'émanation du Parlement. Mais au Québec, c'est le gouvernement. Par exemple, pour être Premier ministre, ils nous ont dit il faut être député. Et c'est. Alors, ils vont vous expliquer tout à l'heure. Et nous avons partagé beaucoup de choses. En ce qui a trait à la gouvernance, en ce qui a trait au fonctionnement du Parlement, c'est presque la même chose, ce sont les mêmes responsabilités que les parlementaires québécois ont avec les parlementaires haïtiens. C'est pas encore. Mais nous sommes en train de discuter. D'ailleurs, le président de l'Assemblée québécoise, le député Chagnon, et Jacques Chagnon a déjà officiellement et nous faire cette invitation. Les députés n'ont pas à s'engager, mais les députés, nous avons discuté sur le problème des Haïtiens qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis. Ce sont des échanges. Des échanges en général, mais ils n'ont pas à prendre des décisions. Nous sommes ici pour venir porter un message du président de l'Assemblée, M. Jacques Chagnon, de l'Assemblée nationale du Québec. Le Québec et Haïti partagent depuis très longtemps une relation de coopération, une relation très étroite, tant au niveau social, économique. Et aujourd'hui, ce que nous voulons réitérer, c'est notre souhait de collaborer, de contribuer avec nos collègues ici du Parlement haïtien, de venir justement partager un peu notre expérience québécoise et vous inviter également dans ce processus justement où la nouvelle législature est en train de prendre ses responsabilités, de venir justement vous épauler, vous accompagner dans vos démarches d'échanges de meilleures pratiques. Et donc, c'est la raison de notre participation ici et c'est le message que le président Chagnon souhaitait véhiculer à travers nous auprès du président Chancy et des collègues députés. Plus formellement, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a déjà une entente de coopération qui a été signée entre l'Assemblée nationale du Québec et le Parlement haïtien. En 1996, elle a été signée par l'ancien président Jean-Pierre Charbonneau. Il y a eu plus de 30 visites, échanges, missions qui ont été organisées au cours de ces 20 dernières années. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est regarder de quelle façon nous pouvons intensifier ces échanges-là. Puis également, nous sommes venus porter aussi un message auprès de nos collègues députés de participer, continuer à participer activement au niveau des associations des parlementaires, soit de la francophonie, où le Québec joue un rôle important au niveau de la région des Amériques, et également la Confédération des parlementaires des Amériques, également, où le Québec assume l'une des trois vice-présidences également. Donc, c'est un peu le message que nous avons partagé. La présence de la diaspora haïtienne au Québec va au-delà de 150 000 citoyens haïtiens d'origine haïtienne au Québec. Elle a une très grande contribution à la société québécoise. Ce que nous avons réitéré auprès de nos collègues députés haïtiens, c'est que le Québec a toujours été une terre d'accueil, une terre de solidarité, une terre d'ouverture. Et malgré le contexte changeant en Amérique du Nord, notamment au niveau des États-Unis, notre premier ministre et en fait tous les élus de l'Assemblée nationale réitèrent que cette valeur qui est fondamentale pour le Québec,
le restera et nous allons continuer à travailler ensemble afin de s'assurer que tous les Québécois, nouveaux ou établis, peuvent contribuer du mieux possible à la société québécoise. Aujourd'hui, nous venons non pas représenter le gouvernement du Québec, nous venons représenter l'Assemblée nationale du Québec. Bien, c'est sûr que nous, à l'opposition, on a des partis politiques reconnus. Donc, moi, je suis l'opposition, je représente l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Nous avons une fonction de poser des questions sur le plan des orientations, des décisions pour modifier les projets de loi, mais aussi sur les budgets et les crédits du gouvernement, bien entendu. Mais j'ai vu passer, nous, dans nos informations que nous avons, le gouvernement du Québec a annoncé récemment des ententes avec Haïti pour différents projets là, de différents ordres. Je crois que c'est la ministre des Relations internationales qui l'a fait. Donc, à différents moments, il y en a, mais ce serait, disons, difficile pour nous, à ce moment-ci, de vous faire l'inventaire de l'ensemble des collaborations ou des aides que le gouvernement du Québec offre ou fait avec Haïti, étant donné que nous sommes aujourd'hui mandatés par l'Assemblée nationale, qui est le Parlement, donc qui représente l'ensemble des députés et non pas uniquement les députés ministériels, donc des députés du gouvernement.